Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Good evening, everyone. Mon pianiste n'est pas là, il est parti. Where's the keyboard player? Okay. Is he anywhere to be found? Oh. Gloire à Dieu. Glory to God. Ah, d'accord, d'accord. Gloire à Dieu. Yes, you are the Lord, Most High. Yes, you are the Lord, Most High. Yes, you are. Yes, you are the Lord, Most High. Yes, you are. Yes, you are. The Lord, Most High. Yes, you are the Lord. Hallelujah. Most High. Yes, you are. Yes, you are the Lord. Oh, Most High. Là, nous voulons te dire merci. Father, we want to thank you. Te dire merci pour ce moment merveilleux. I want to thank you for this wonderful moment. Te bénir pour ta présence dans la maison. I want to bless you for your presence in the house. Te bénir pour ton esprit qui est au milieu de nous. Bless you for your spirit in the midst of us. Bénir pour ton peuple, Seigneur. Bless you for your people. Te bénir, Seigneur, pour la vie de ton serviteur. Bless you for the life of your servant. Et de tout ce que tu fais en ce lieu, Père. And for all that you have done and doing. Te reconnaissants. We are grateful. De tout ce que, pour tout ce que tu es. For all you are. Et pour tout ce que tu accomplis pour nous. And for all that you do for us. Seigneur, merci pour ce temps de jeûne et prière. Father, we thank you for this time of fasting. Merci pour ce thème, Seigneur, qui est prophétique. We thank you for this prophetic topic. Qui parle, Seigneur, de la reconstruction des murailles. That talks about the rebuilding of the walls. Alors que nous sommes arrivés à notre troisième jour de conférence. As we get into the third day of this conference. Nous nous attendons à toi, Seigneur. We expect from you, Lord. Laisse que le ciel s'ouvre en ce lieu. Let heaven be open in this place. Laisse que ta gloire descende. Let your glory come down. Fais-nous du bien, Seigneur. Lord, do good to us. Rebâtis tout ce qui était détruit. Rebuild whatever was destroyed, tout ce qui était cassé, whatever was broken, et que ta gloire soit manifeste, let your glory be manifest, dans le nom de Jésus, in the name of Jesus. Je détruis tout ce qui n'est pas de toi, I destroy whatever is not of ce lieu, in this place, dans nos cœurs, dans nos pensées, in our heart, in our minds, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole, every thought captive to obedience to your word. Accorde-moi l'onction, Lord, grant me the anointing. Accorde-moi l'inspiration. Grant me the inspiration. Afin de pouvoir parler de ta part, so that I might speak on your behalf, de manière fidèle, Seigneur, in a faithful way, et de transmettre ta pensée, and to communicate your thoughts, que ton règne vienne, let your kingdom come, et que ta volonté soit faite, let your will be done, au nom de Jésus, in the name of Jesus. Disons amen. 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 Gloire à Dieu. Prenez place dans la présence amen. De Dieu. Alors nous sommes en train de parler de rebâtir les murailles. We've been talking about rebuilding the walls. Et là nous voulons prendre trois textes dans la Bible. Right now we're going to pick up three texts from scriptures. Le premier se trouve dans notre livre de base de Néhémie. So the first one is in the book of Nehemiah. Néhémie chapitre 2. Chapter 2. Le verset 17 au verset 18. Verse 17 to verse 18. Est-ce que tu peux lire, pasteur, s'il te plaît? Nehemiah chapter 2, verse 17. Then I say to them, you see the trouble we're in. Jerusalem lies in ruins, and its gates have been burnt with fire. Come, let us rebuild the wall of Jerusalem. We will no longer be in disgrace. Verse 18. I also told them about the gracious hand of my God on me and what the king had said to me. Amen. Amen. Néhémie chapitre 6. Chapter 6. Le verset 15 à 16. Verse 15 and 16. We'll read quickly. Verse 15 we read. So the wall was completed on the 25th of Elul in 52 days. Verse 16. When all our enemy heard about this, all the surrounding nations were afraid
and lost their self-confidence because they realized that this work had been done with the help of our God. Amen. Amen. Ésaïe chapitre 60, le verset 18. Isaiah chapter 60, verse 18. Isaiah 60, verse 18, we read in the name of Jesus. No longer will violence be heard in your land, nor ruin or destruction within your borders, but you will call your walls salvation and your gates praise. Amen. Amen. Tu donneras à tes murs le nom du salut. You will give to your walls the name of salvation. Et à tes portes celui de gloire. And your gates shall be called praise. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Glory to God. Alors nous avons vu pendant ces deux jours. So we've seen during the last 2 days. En tout cas, j'aimerais encore honorer l'homme de Dieu, sa femme. I'd like to honor the man of God once more. Pastor Frank, son épouse. Pastor Frank and his wife. Et tous ceux qui sont là, tous les hommes de Dieu. And all men and women of God who are here. Que Dieu vous bénisse, toute l'église. God bless you all. Je suis très content d'être là. I'm so happy to be here. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous avons vu pendant nos deux jours. We've seen for the last 2 days. Ce qui s'est passé. What happened? Pour nous remettre dans le contexte. To put us back into parce que the nous parlons de ce grand thème. We're talking about this great sur la reconstruction des murailles. The rebuilding of the walls. Et hier, nous avons touché le point des constats. And yesterday we talked about the notice that Nehemiah noticed. Les constats que Nehemiah a fait concernant le rapport qu'il a eu. Nehemiah noticed certain things based on the report he got. Et on lui dit, la première chose qu'on lui a montré, the first thing they showed him, que les murailles étaient brisées, étaient rompues, étaient en ruine. The walls were in ruin. La deuxième chose qu'on lui a dit, the second thing he was told, que le porte était consumé par le feu. The gates were burnt with fire. Et la troisième de chose, and the third thing, il y avait des morts. There were many dead. Et puis il y avait l'opprobre, la honte. And there was shame in the city. Et Nehemiah va prendre conscience de cela. So then Nehemiah would take a decision. Et nous voulons continuer dans notre enseignement. And so we want to carry on. Et le sujet que je vais aborder aujourd'hui, so what I want to talk about tonight, c'est levons-nous et bâtissons. Is let's arise and build. Est-ce que tu peux toucher ton voisin, dis-lui lève-toi et bâtis. Say, levons-nous arise et and let's rebuild. Touch your neighbor. Est-ce say, que tu peux arise, lui dire levons-nous et bâtissons. Let's rebuild. Alléluia. Amen. Alors vous allez voir ceci. So this is what you notice. Je remarquais en méditant toujours le premier chapitre de Néhémie. I noticed as I was meditating on the first chapter of Nehemiah. Il y a trois attitudes à avoir face aux murs qui sont renversés. So there are three main attitudes that one should have when you have destroyed walls. Et les deux premières attitudes ne sont pas bonnes. The first two attitudes are not good. Mais seule la troisième elle est bonne. But only the third attitude is right. Vous savez quand on constate que quelque chose ne va pas. See when you notice that something isn't working. Et surtout même dans l'église au milieu des enfants de Dieu. Especially in a church in the midst of children of God, la première attitude que les gens ont, the first attitude people turn to have, ils critiquent. Is to criticize. Ils parlent mal. They speak negatively. Et ça, c'est pas la bonne attitude. And that's not the right attitude. Si on veut bâtir, if you want to build, on ne peut pas critiquer. You don't speak negatively. On doit chercher plutôt à corriger. You seek to correct. Et la deuxième attitude, the second attitude, c'est l'attitude de Hanani. Is the attitude of Hanani. Il remarque que les choses sont détruites. He notices that things have been destroyed. Mais il ne fait rien. But he doesn't do anything. Il ne dit ni en bien ni en mal. He doesn't speak positive or negative. Et il constate seulement. He just notices. Mais il n'agit pas. But he doesn't do anything. Et ça non plus n'est pas la bonne attitude. And that too is not a good attitude. Mais la troisième attitude. But the third attitude. C'était l'attitude de Néhémie. This is Nehemiah's attitude. Lorsqu'il a entendu. Once he heard. Lorsqu'il a constaté. When he noticed. Il s'est levé. He stood up. Alléluia. Alléluia. Et ma prière est que tu sois dans cette attitude. My prayer is that you might have this attitude. Que pour que tu te lèves. So that you might arise. Vous savez pourquoi? You know why? Parce que ton attitude. Because your attitude. Déterminera ton altitude. Determines your altitude. Est-ce que je peux le répéter encore? Can I say it again? Ton attitude, your attitude déterminera determines ton altitude. Your altitude. Et Néhémie s'est levé. So Nehemiah stood up. Néhémie était conscient. He was conscious qu'il fallait qu'il fasse quelque chose. That he had to do something. Il n'était pas indifférent. He was not indifferent. Il s'est impliqué par rapport à la situation. He got involved in the situation. Il a eu un fardeau dans son cœur. He had this burden in his heart. Hallelujah. Hallelujah. Et quand on lit Néhémie, so as you read Nehemiah, nous voyons certaines stratégies. You notice
some que strategies Dieu nous donne that God would give pour rebâtir les murailles. Et la Bible nous dit ceci. And the Bible says, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11, in the, 1 Corinthians chapter 10 verse 11, que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. That these things happened to be like an example to us. Et elles ont été écrites pour notre instruction. These things were written for our instruction. Pour nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. So that we who have come to the end of time. Cela veut dire ce qui est écrit dans la Bible. It means what has been written in scriptures. Notamment les écrits de Néhémie. Especially Nehemiah. C'est un exemple pour nous. This is an example for us. C'est un modèle pour nous. It is a model for us. C'est un schéma pour nous. It is a way for us to see. Pour rebâtir les choses qui ont été brisées. How to rebuild those things that have been broken. Alléluia. Hallelujah. C'est-à-dire si on suit les stratégies que Néhémie a eues. In other words, if you follow Nehemiah's strategy. Nous allons avoir les mêmes résultats. End up having the same result. Les mêmes causes, the same causes produisent les mêmes effets. Produces same effects. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Yes. Alléluia. 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 Et ici nous voyons les stratégies de Néhémie. So what you see here is Nehemiah's strategy. Il s'est dit levons-nous. He said let's stand. Et bâtissons. Let's arise and build. Alléluia. Amen. Et j'aimerais dire d'abord que le fait de bâtir c'est la volonté de Dieu. You know to build is God's will. Rebâtir les murailles fait partie de la volonté de Dieu. To rebuild these walls is God's will. Dieu prend plaisir à cela. God takes pleasure in it. Dieu ne prend pas plaisir au malheur. God doesn't take pleasure in Dieu ne prend pas plaisir à la souffrance de son peuple. He doesn't take pleasure in pain and suffering. Mais Dieu prend plaisir à voir son peuple heureux, glorieux. But he takes pleasure in seeing his people being happy and glorious. Et cette parole est puissante. And this word is powerful. Levons-nous. Let's stand. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire encore à ton voisin, levons-nous et bâtissons. Say to your neighbor, arise and let's rebuild. Dis-le lui encore, levons-nous et bâtissons. Say it again, arise and let's rebuild. Alors nous voulons voir ensemble so we want to see together quelques stratégies what are the strategies que Néhémie a utilisées that Nehemiah used, inspiré par Dieu inspired by God, conduit par le Saint-Esprit led by the Holy Ghost, pour rebâtir le muraille to rebuild the wall. Parce que c'est ça notre thème. That's the topic nous voulons voir les murailles rebâties. We want to see these walls rebuilt. Nous voulons voir les choses qui ont été détruites hier we want to see the things that were broken reprendre yesterday, forme to come back to afin where que la gloire de Dieu soit manifestée so that the glory of God be manifested. La première chose the first thing, la première stratégie de Néhémie strategy in my j'en ai noté quatre principales. I've written four strategies. Mais la première, but the first one, c'est que Néhémie so Nehemiah, s'est tourné vers Dieu dans la jeûne, dans la prière et les supplications. He started with fasting and praying and supplication to God. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas rebâtir les murailles. You can't rebuild the walls. Sans jeûner et prier. Without fasting and praying. Sans supplier Dieu. Without supplication to God. Et on a vu que les véritables murailles étaient brisées. You know, we saw that the real wall was broken. C'est quoi? C'est Dieu lui-même était, avait quitté son peuple. It's the spiritual wall when there was a separation c'est between God and the people. C'est-à-dire il y avait les murailles spirituelles qui étaient déjà brisées avant de voir les murailles physiques brisées. See, before the physical walls were broken, the spiritual ones were the first to be broken. Et vous ne pouvez pas rebâtir les choses physiquement tant que spirituellement ce n'est pas rebâti. You cannot rebuild the physical things unless you have rebuilt spiritual ones parce first. Que tout commence d'abord dans le spirituel avant d'être matériel. In the spirit first. La Bible dit ceci. The Bible says, ayez recours à l'Éternel. Run unto the Lord. Et cherchez continuellement son appui. And seek him constantly. La Bible dit ne vous inquiétez de rien. The Bible says don't worry about mais anything. En toute be chose, anxious for nothing. Mais en toute chose, but in all things, faites connaître vos besoins à Dieu. Let your request be made known unto God. Par des prières. With prayer et des supplications. And supplication. Le fardeau que tu as. And the burden you have. Le souci que tu as. You know that burden you have. Tu dois d'abord prier. You have to pray. Et ça c'est la première stratégie. That's the first thing you got to do. Et dans la prière, so in your prayer, nous voyons les choses que Néhémie a faites. We see the kind of things that la première chose que Néhémie a faite, first thing he did, il a confessé ses péchés. He confessed his sins. Et le péché de ses pères. And the sins of his fathers. Pourquoi? Why? Parce que le péché constitue le premier obstacle. Because sin is the first obstacle. À la reconstruction des murailles. To rebuild in the walls. Alléluia. Hallelujah. Confesser ce péché, to confess one sin, reconnaître son mal, is to recognize that et one is s'humilier devant Dieu, and humble themselves. Et c'est la clé du salut. That is the key to c'est salvation. C'est la clé de la délivrance. It is the key to deliverance. La deuxième chose dans la the prière, second thing in prayer, il demande pardon à Dieu. He asks God to forgive him. Il demande la miséricorde à Dieu. He asks for God's grace.
Il demande que Dieu pardonne. He asked that God would forgive him. Parce que ce qu'ils avaient subi, because what they have experienced, c'était la conséquence du châtiment de Dieu. Was a consequence of God's chastisement. C'était une punition venant de Dieu. It was a punishment coming from God. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque vous demandez pardon, but as you ask for forgiveness, Dieu est lent à la colère. The Lord is slow to anger. Et il revient au mal qu'il avait causé. And he will come back to la Bible dit, si nous confessons nos péchés, the Bible says if we confess la Bible dit, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. He is faithful and righteous to forgive. Et pour nous purifier de toute iniquité. And to purify us from all iniquity. Alléluia. Hallelujah. Tu as besoin du pardon. You need the forgiveness. Et la troisième de chose, the third thing, il a fait des supplications à Dieu. He made supplication to God. En vue de la restauration des murailles. So that the walls be restored. Lorsqu'on supplie Dieu, so when you go in supplication, on rappelle à Dieu son alliance. You remind God his covenant. Tu rappelles à Dieu sa promesse. You remind him of his promise. Tu dis, Seigneur, ce que je vis, so Lord, I know what I'm living. C'est le contraire de la promesse que tu m'as faite. It's the contrary of the promises you gave. Alors je te supplie, Seigneur. Therefore, I am beseeching you. Je veux voir ta promesse dans ma vie. I want to see your promises in my life. Est-ce quelqu'un qui veut voir la promesse de Dieu dans sa vie? Anybody want to see God's promises fulfilled? Est-ce que quelqu'un veut voir la promesse de Dieu dans sa vie? Want to see God's promises in your life? Ce que Dieu a dit pour moi, what God has said for me, je dois le voir. I want to see it. Job a dit, Job said, mon oreille avait entendu parler de toi. My ear had heard about you. Mais maintenant mon œil te but voit. Now my eyes have seen you. Et ma prière est que tu puisses voir my praise that you might ce que see Dieu t'a promis what God has promised au nom de Jésus. In the name of Jesus. C'est pourquoi il faut supplier Dieu. This is why you need supplication. Et cela a duré 4 mois. It took 4 months. 4 mois de prière. 4 months of prayer. 4 mois de jeûne. 4 months of fasting. 4 mois de supplication. 4 months of supplication. Sans relâche. Without stopping, ceasing. Et il va y avoir des conséquences. And there'll be consequences. Dieu au ciel exauce. God in heaven. J'aimerais dire à quelqu'un, heard. Dieu entend la prière. The Lord hears prayers. La Bible dit, les yeux du Seigneur sont sur le juste. The Bible says the eyes of God are on the righteous. Et ses oreilles sont attentives à leurs prières. And his ears are attentive to their prayers. Tu es justifié à cause du sang de Jésus. You are justified because of the blood of Jesus. Alléluia. Alléluia. Et quand Dieu t'exauce, and as God answers il your te prayers, donne la vision. He gives you vision. Quelle vision? What kind of vision? Rebâti. To rebuild. Oh, je dis rebâti. I say rebuild. Rebâtir les murailles. The walls. Alléluia. Alléluia. Un conseil que je peux te donner. I want to give you an advice. Ne bâtis rien sans la prière. Do not rebuild anything without prayer. N'entreprends rien avant d'abord de prier. Don't start any project without praying. Tu as besoin de la prière. You need prayer. L'approbation de Dieu. You need God's approval. Tu as besoin du go de Dieu. You need God to say now it's okay. Avant to de commencer quelque chose. Before you start anything. Pourquoi est-ce que souvent nous échouons? Why do we always fail? Nous commençons. We start. Et ensuite nous demandons à Dieu de venir. And then we ask God to come. Ça ne marche pas comme it ça. It doesn't work like tu that. Dois d'abord prier. You've got to pray first. Parce que la prière, because prayer, t'emmène à dépendre de Dieu. Will lead you to depend on God. Ce n'est pas moi qui dirige Dieu. I don't direct God. Et c'est Dieu qui me dirige. It's God who directs oh, me. Oh, tu m'as pas compris. Oh, you haven't heard me. C'est là la différence. That's the difference. Je me laisse diriger par Dieu. I need to be led by God. La rebâtir les murailles. To rebuild the wall. Commence d'abord par la prière. Start with prayer. Il faut se tourner vers Dieu. You need to turn to God. Avant de faire quoi que ce soit. Before you do anything. Tu as besoin de son aide. You need his help. Tu as besoin de son assistance. You need his assistance. Jésus a dit, God, Jesus sans said, moi, without me, vous ne pouvez rien you faire. Can't do anything. Sans moi, without me, impossible de rebâtir les murailles. Impossible to rebuild mais the wall. Quand Jésus arrive, when Jesus arrives, oh, l'histoire va commencer. Oh, the story je dis, will start. L'histoire de ta vie va commencer. The story of your life will start. Je te dis, aujourd'hui, tu vas avoir un nouveau départ. I'm telling you, you'll see a new beginning. Je dis, tu vas avoir un nouveau départ. You'll see a new beginning. Parce que tu as commencé à chercher Dieu. Because you've started with seeking God. Prier, c'est bâtir la muraille spirituellement. To pray is to rebuild the spiritual walls. Et quand on bâtit les murailles, as you rebuild the walls, Dieu vient aussi nous donner les directives. God comes to give us directives. Lorsqu'on prie, when you pray, on trouve grâce devant Dieu. You find grace before God. Qui veut trouver grâce devant le Seigneur? Who want to find grace qui before God? Qui veut trouver grâce devant Dieu? Who want to find grace la prière before God? Amène la faveur divine. See, prayer brings God's favor. La faveur de Dieu, c'est l'approbation de Dieu. God's favor is God's approval. Alléluia. 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 Quand tu trouves grâce devant Dieu, when you found grace before God, Dieu te fera trouver grâce devant les hommes. He will therefore lead you to have grace est-ce with people. Est-ce que je peux répéter? Can I say lorsque again? Tu trouves grâce devant Dieu, when God's grace is upon Dieu you, te fera trouver grâce devant he will les cause hommes. You to have grace with others. C'est-à-dire même si tu as un roi difficile devant toi, I'm saying even if you had a king that is so harsh, même si tu as des difficultés compliquées devant toi, even if you have very complicated difficulties, Dieu trouvera un moyen pour te faire grâce. God will find a way to
grant to grace. La Bible dit ceci. The Bible says, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, the Lord is pleased with a man's way, il dispose toutes choses en sa faveur. He will make everything good in his favor. Et ma prière est que Dieu t'accorde sa faveur. My prayer is that God will grant you his favor. Oh, je disais que ma prière est que tu puisses trouver grâce aux yeux des hommes. Find grace in the eyes of men. Il y a un homme qui a la solution pour ta vie. There is a man who holds the solution for your life. À chaque fois qu'il y a un problème quelque part, and every time when there's a problem dites-vous somewhere, qu'il y a la solution aussi quelque part. There must be a solution somewhere. Et la solution de ton problème, and the solution to your problem, c'est un homme qui l'a. And somebody's got it. Quelqu'un ne me comprend pas. Somebody doesn't get what I'm saying. Je dis la solution de ton problème, the solution to your problem, quelqu'un l'a entre ses mains. It's in the hands of someone. Et Dieu te le fera rencontrer. And God will cause you to meet. Et il va t'aimer sans savoir pourquoi il t'aime. The person will just love you without knowing why. Oh, que cela soit ta part au nom de Jésus. Let that be your portion in Jesus' name. Et quand Néhémie a trouvé grâce, and when Nehemiah found grace, il est parti voir le roi. He went to see the king. Alors qu'il était son échanson. As he was the servant of the king. Normalement, il ne devait pas bouger, il ne devait pas quitter sa présence. Normally, he shouldn't have left or moved out of the presence. Mais le cœur du roi était touché. But the heart of the king was touched. Et Néhémie fait une demande. And Nehemiah made a request. Il demande les lettres pour les pays ou je dirais le territoire qu'il va traverser. So pour qu'on lui donne l'accès libre. He asked the king for a letter so that he could cross all the territories of this kingdom. C'est l'image des visas pour aller de pays en pays. This is like the picture of a visa, getting a visa. To travel from country juste to country. Une parenthèse. Just like in a quand bracket. Dieu t'est favorable, when God is favorable, même quand tu viens d'arriver nouvellement en Australie, even if you've just arrived in Australia, l'administration te donnera les choses facilement. The government will make things easy for you. Oh, tu as raté l'occasion de dire you amen. Didn't realize you should have said amen. Il a demandé le bois pour les matériaux pour la reconstruction. He asked the woods and material for the et cela lui a été accordé. And it was given. Dieu pourvoira God will provide pour la reconstruction des murs. For the rebuilding of the wall. Il est Yahvé Jiré. He is Jehovah Jireh. Il a demandé un long congé. He asked for a long service leave. Un long moment d'absence. A long leave, he asked. Et quand vous lisez l'histoire, and as you read the story, c'était environ 12 ans. It was about 12 years. Vous imaginez des vacances pendant 12 ans. Could you imagine the king gives him a leave of 12 mais years. Mais quand Dieu est d'accord avec toi, when God is okay Dieu with va you, te l'accorder. God will give it oh, to je you. Prie que Dieu accorde quelqu'un. I pray that you will receive. Alléluia. In the name of et Jesus. Et Néhémie se levait. Nehemiah stood. Et il est parti. And he took off. Pour rebâtir les murailles. To rebuild the wall. La deuxième chose que nous voyons. The second thing we see. Dans la deuxième stratégie de Néhémie. In his strategy. Néhémie arrive. He arrives. Et la Bible nous dira qu'il sera silencieux. And as he was quiet, si vous lisez le verset 11 au verset 12 de Néhémie 2, from verse 11 and verse 12, il dit j'arrivais à Jérusalem, as I arrived in Jerusalem, et j'y passais 3 jours. I spent 3 days. Après quoi je me levais pendant la nuit, after 3 days at night I got up, avec quelques hommes, with few people, sans avoir dit à personne without, que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. Without having said to anyone that God had asked me to do something for Jerusalem. Alléluia. Amen. Et il se lève. He stood. Il arrive à Jérusalem. He got to Jerusalem. Il fait 3 jours. He does 3 days. Il reste silencieux. He is quiet. Frères, sœurs, c'est une stratégie. I tell you, it's a strategy. Avant de commencer de bâtir, before you start rebuilding, tu dois rester calme. You must be able to be quiet. Tu dois être silencieux. You need to be quiet. Pour observer. To observe. Pour analyser. To analyze. Pour réfléchir. To reflect. Sur l'ampleur des dégâts. About all the size of the destruction. Et pour mesurer, je dirais, mesurer la dépense par rapport à l'œuvre que tu auras à faire. To measure how much it is going to cost for you to do this work. Alléluia. Alléluia. Rester silencieux. To be quiet. Veut dire calculer la dépense. Means you are calculating what it's going to cost. Dans Luc chapitre 14. In Luke chapter 14. Le verset 28 à 20. Verse à 30, 28 and all the way to verse 30. Jésus dit ceci. Jesus said this. Il dit ceci. He said. Il n'est personne s'il veut bâtir une tour. There's no one if you want to buy to build a tall tower. Ne s'assied d'abord pour calculer la dépense. That you don't sit down and count the cost. De peur qu'il puisse commencer et puis ne pas achever. Because if you don't start and you can't finish, alléluia, it won't be good. Alors pour réussir le travail de Dieu, so to succeed in God's work, il est important que chacun de nous, it's important that each one of us prenne le temps, take time de s'organiser, to
organize de réfléchir, to think, d'évaluer les coûts, to evaluate the cost, sur le plan matériel et sur le plan personnel, materially and personally, de voir la réalité des choses, to see the reality of things. Et pendant ce temps-là, during the time, ne dis rien à personne. Don't say anything to anyone. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un. I'm going to tell vous savez someone. Pourquoi le rebâtir le muraille devient difficile pour certaines personnes? Do you know why to rebuild the wall becomes hard for some people? Parce que quand Dieu te met un projet, because when God gives you a project, tu commences à le dire tout de suite à tout le monde. The first thing you do is start speaking to everybody. Tu te cherches des problèmes pour rien. You're causing yourself trouble unnecessarily. Alléluia. 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 Il y a deux attitudes à avoir. There are two attitudes. La première attitude, the first one, attends le temps de Dieu. Wait for God's timing. Avant de parler. Before you speak. Avant de dire ton projet. Before you speak about your project. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Am I talking to someone? Il y a des gens qui veulent se marier. There are people who want to get married. Il est resté longtemps dans le célibat. It's been so for a long time. Et un frère est venu. And then a brother shows up. Et avant même de prier. Before even they pray. Avant même d'être sûr que c'est vraiment, il a vraiment gagné son cœur. Sure that they've absolutely won the heart of this man. Il va montrer cela à tout le monde. Facebook. They're going to show to everybody Facebook. Et tu vas voir ta meilleure copine risque d'attraper ton nouveau fiancé. You're going to see your best friend is going to jump je suis in venu and te dire, get the man. I want to tell you. Il y a un temps pour se taire. There is a time to keep quiet. Il y a un temps pour parler. And time to speak. Avant de bâtir, before you rebuild, on ne crie pas trop. Don't start crying. On analyse. You need to analyze. Car il y a une force strength, dans le calme, a force dans in, le in, silence. In quietness, in silence. Alléluia. Alléluia. Ton problème c'est ça. That's your problem. Tu veux construire une maison. You want to build a house. Tu n'as pas encore eu le l'accord de la banque. You haven't received the approval from the bank. Et tu commences à dire à tout le monde. You start to tell everyone. Et quand ça ne marche pas. And then when it doesn't work. Ah, tu dis non les sorciers. Oh, you know those witches. Non, ce n'est pas les sorciers. My family witches. Tu es pressé. Dis à ton voisin, tais-toi. Dis-lui, tais-toi. Dis-lui, tais-toi. It wasn't your family witches. I tell your neighbor, you need to be quiet. Come on, tell them. Est-ce que tu peux dire à ton voisin? Quiet. Yeah. Dis-lui quiet. Yeah, keep quiet for a moment. Ça, c'est la première des choses. That's one thing. Il y a des grands projets. There are big projects. Qu'on ne dévoile pas tout de suite. You don't have to talk to everyone. Attendez le temps. Wait for good God's timing. Et quand Néhémie est sorti, when Nehemiah came out, il n'a pas pris tout le monde. He didn't just bring about everybody. La deuxième chose, the second thing, ou la deuxième attitude, the second attitude, quand tu as un projet, when you have a project, ne le dis pas à tout le monde. Don't just tell everyone. Tu peux livrer ton cœur, ton secret à un ennemi parce que tu ne le connais pas. You might give your secret to an enemy without knowing. Combien de gens avaient des grands projets, des bons how many people have had good project, great projects? Ils l'ont dit à tout le monde. They told everyone. Et les gens ont pris le devant et ils ont réalisé leur projet avant eux. And people took those projects and got started before these people even start. Dis à ton voisin, attends, ne dis pas à tout le monde. So look, tell your neighbor, just wait. Don't tell everyone. Oulala. There's wisdom in waiting. Je te demande de dire à ton voisin. Touche ton voisin, dis-lui, ne dis pas à tout le monde. You know, touch them. Like, you don't need to tell everyone about this. Don't tell everybody about all your projects. Alléluia. 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 Parce que tu as aussi des ennemis. Because you have enemies too. Ce n'est pas tout celui qui te sourit qui est ton ami. It's not everybody that smiles at you who's a friend. Ce n'est pas tout le monde qui te dit je t'aime qu'il t'aime vraiment. Not everybody who says I love you actually loves you. Attention, les Judas sont là aussi. You just got to be very careful because Judas is. Oh, le silence va te donner le discernement. Silence will give you discernment. C'est une stratégie. It is a strategy. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Am I talking to someone? Le silence va t'éviter beaucoup de troubles. Silence will avoid you a lot of troubles. Avant de bâtir, réfléchis. Before you rebuild, think. Le silence te donnera la sagesse. Silence will give you wisdom. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Et la sagesse, c'est ça qui bâtit. I tell you what, it's wisdom that builds. On ne bâtit pas avec les paroles, mais avec la sagesse. You don't just build with words, you build with wisdom. Et quand tu commences à être silencieux, once you start to be quiet, tu apprends des erreurs du passé. You start to learn from past mistakes. Tu évites de commettre les mêmes fautes. You avoid the same mistakes. Il y a des gens, there are people, qui commettent les erreurs, who make some mistakes. Mais quand ils se lèvent pour rebâtir, once they start to rebuild, ils répondent encore les mêmes erreurs. They do commit the same mistakes. Quelqu'un a dit, somebody said, dans la vie, in life, il n'y a pas de nouvelles gaffes. There are no new mistakes. Mais il y a que de nouveaux gaffeurs. There are only, you know, new mistake makers, you know. The same mistakes made over and over again. Amen. Amen. Troisième stratégie. Third strategy. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you with me? Néhémie a trouvé une équipe. He found a team. He put together a team. Néhémie informa son projet. That he
informed them of his project. Il parle de ce projet. He talked to them about this project. Non à tout le monde. Not to everyone. Mais à une équipe. To a small team of people. Tu as besoin des autres. You need others. Pour la réussite de ce que tu veux accomplir. For you to succeed in what you want to do. Tu ne peux pas rebâtir les murailles. You can't rebuild the walls. Tout seul. By you yourself. Parce que Dieu, because God, veut que tu dépendes aussi des autres. Want you to depend on others too. Il y a des gens qui disent, there are people who say, oh, c'est ma vie. It's my life. Je fais ce que je veux. I do whatever I like. Frères et sœurs, brothers and sisters, tu as besoin des autres. You need others. Touche ton voisin, dis-lui tu as besoin de moi. Touch your neighbor and say you need me. Dis-lui j'ai besoin de toi. Tell him, I need you. Hallelujah. Nous avons besoin des autres. We need others. Nous avons besoin d'une équipe. We need a team. Tu ne peux pas être, tu peux pas travailler en solo. You can't just work alone. Tu ne peux pas bâtir seul. You cannot rebuild alone. Même ton mariage qui est détruit, even your marriage that has been destroyed, tu auras peut-être besoin d'un conseiller ou d'un pasteur qui t'aidera. You will need advices from a counselor or from the pastor. Tes projets, ton business qui a été brisé, so your business that is basically falling into hips, tu auras peut-être besoin de quelqu'un qui est beaucoup plus expérimenté qui t'aidera avec les conseils. You need someone who's got a lot more experience who might help you with some wise counsel. Chercher les autres, c'est une preuve d'humilité. To seek others is a proof of humility. Et ensemble, nous sommes forts. And together we're strong. Mais quelle équipe? What kind of team? Mais ne prenez pas la race des vipères. Don't just simply take the brood of vipers. Néhémie a choisi les gens de son peuple. He took people from his own people. Ne cherche pas les gens d'ailleurs. Don't go looking for people from elsewhere. Il y a des gens qui veulent se marier. There are people who want to get married. Ce sont des sœurs en Christ. Sisters in Christ, ou des frères en Christ, or brothers in Christ, mais qui veulent bâtir leur mariage avec les païens. But they want to go and marry an unsaved pagan. Oh, je vais les convertir. Oh, but I will bring him to Christ. Sure. Ne va pas choisir parmi la race des vipères. Don't go choosing among the brood of vipers. Ne va pas chercher dans le monde. Don't go in the world. Ne va pas chercher parmi les religieux. Don't go looking to people of other religions. Cherche dans la race. Find in the race la of God. La race élue. In the elected race. Les enfants de Dieu. Children of God. Parce que dans la race élue, because within the elected race, il y a une connexion spirituelle. There is spiritual connection. Il y a le Saint-Esprit. There is the Holy Ghost. Qui répand dans nos cœurs l'amour de Dieu. Who pulls abroad the love of God avec in our heart. Avec qui tu veux bâtir. And so with who are you building? Avec qui tu veux t'unir, te lier. Who are you linking yourself with? Avec qui veux-tu t'associer? Who are you associating yourself with? Dans la Bible, in the Bible, il y a eu un bon roi du nom de Josaphat. There was a king called Jehoshaphat. Et c'était un roi selon le cœur de Dieu. He was a king after God's heart. Mais la Bible dira qu'il va commettre une erreur. But the Bible says he'll make a big mistake. Il va s'allier avec Achab. He will make an alliance with Ahab. Pour construire ou bâtir des navires pour aller à Tarsis. To build ships to go to Tarsus. Et Dieu va détruire leurs œuvres. And the Lord will destroy their work. Pourquoi? Why? À cause de la mauvaise association. Because of bad association. Ton équipier. Who is your teammate? Qui marche avec toi? He walks with you. Tu dois choisir. You need to choose. Parce que parmi les gens que tu vois, because among the people that you see, il y a les ennemis. There will be enemies. Il y a les Sambala. There will be Sambala. Il y a les Tobija. There will be Tobias. Il y a les Arabes. There will be the Arabs. Il y a les Ammonites. There will be the Ammonites. Ne t'associe pas à eux. Don't just associate with anyone. Ils vont te combattre de l'intérieur. They will fight you from within. Amen. Hallelujah. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Am I talking to le someone? Le but de l'ennemi, the goal of the enemy, c'est de t'empêcher de bâtir. It's to stop you from rebuilding. C'est de te bloquer. It's to block you. De te détruire. To destroy you. Ils s'opposent. They will stand against you. À la reconstruction des murailles. Stand against the rebuilding of the wall. Frères, sœurs. Brothers and sisters, ne pensez pas que tout le monde se réjouit de votre bonheur. Don't think that everybody is happy when good stuff happens to you. Tout le monde ne t'aime pas. Not everybody loves you. J'ai compris une chose. I've understood one thing. L'amour de Dieu me suffit d'abord. See, the love of God is enough for me first. La deuxième des choses. The second thing. Je me plais avec ceux qui m'aiment. I am pleased with those who love me. Il y a des gens qui veulent que tout le monde l'aime. There are people who say, I want everybody to love tout me. Tout le monde ne t'aimera pas. Not everybody will love you. That's est-ce que fact. Je peux parler à quelqu'un? Can I talk to someone? Tout le monde ne t'aimera not pas. Not everybody will love you. Tout le monde ne t'appréciera pas. Not everybody will appreciate mais you. Mais aime ceux qui t'aiment. But love those who love you. Si ici on ne t'aime pas. If they don't love you, then va même en Chine. Go somewhere else in China or somewhere. Come on. Aïe. Non, on m'a pas compris. J'ai dit si en Australie on ne t'aime pas. If you're not loved here, il y a des milliards de gens en Chine. Look, there are billions of avec people in China. Avec leurs petits yeux, ils vont t'aimer. If with their small eyes, they will love you. Ni hao ma, ni hao ma. They'll say ni hao ma.
Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Praise God. Praise the Lord. Amen. Amen. Et quand Néhémie a voulu les associer, when Nehemiah wanted to associate with, regardez comment il présente le projet. See, this is how he presents his project. Il ne commence pas par les accuser. He doesn't accuse them. Toi, tu as besoin de l'aide. You need help. Mais souvent, tu accuses les autres. You always accuse others. C'est de votre faute. It's your fault. Il y a des gens, there are people, qui n'ont pas de courage de prendre des initiatives. Who has, they have no courage to have a sense of initiative. Ils attendent juste un Néhémie quelque part. They're waiting for a Nehemiah. Pour dire que nous allons le faire. So that all they can say we can do this. C'est comme l'apôtre a dit tout à l'heure. It's like the apostle just said. On peut dire non. We can say no. We can say no. It's okay to say no. Je dis à quelqu'un, on peut dire non. I'm saying it's okay to say no. Ce matin, j'ai commenté le Facebook de Berekia. Allez où Berekia? Where are you? Yeah. I say no too. Yeah, yeah. I did say no. Yeah. Yeah, I say. Yeah, j'ai dit non. J'ai dit non. Alléluia. Yeah, I said Alleluia. No. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, je bénis Dieu pour l'apôtre Peter. Oh, I bless God for Apostle Peter. Oh, c'est le Néhémie que Dieu est en train de susciter. This is the Néhémie that God is lifting up. We say no. When everybody say yes. Enfin, j'ai bien parlé. Hein? Yeah, yeah. Okay. It's coming, it's coming. Ça arrive, ça arrive. I think next l'anglais time, arrive. Next time I will preach in English. Hey, come on. La prochaine fois, l'anglais. Je vais prêcher en anglais. Amen, amen, amen. Amen. Il va les interpeller. He will call them. Il leur montre l'état, les dégâts qu'il y a. It tells them, it shows them the state of the et puis affairs. Dit, mais, levons-nous. It says we need to stand up. Levez-vous. We need to arise. Et bâtissons. We need to rebuild. Ils ont été tellement touchés. They had been so touched. Ils ont été interpellés. That they had been so stirred up. Le Saint-Esprit a réveillé leur conscience. The Holy Spirit arose their conscience. Et eux-mêmes, ils ont dit. And they themselves told him, levons-nous. Let's stand up. Le texte de levons-nous, see, that word, let's arise. Ce n'est pas Néhémie. It's not Nehemiah. Mais c'est le peuple. But it's the people. Quand le peuple comprend, as they understand, le peuple se lève. They will stand. Oh, je suis venu dire à quelqu'un. I've come to say quand to someone, le peuple réalise, when the people realize, qu'il est temps de rebâtir, that it is time to rebuild, il ne peut plus s'asseoir. They cannot stay seated. Je suis venu te dire aujourd'hui, I've come to tell you, le temps où tu étais assis est fini. The time for sitting down is over. Le temps où tu étais par terre est fini. For being down is over. Le temps pour toi arrive où tu dois te lever. The time has come for you to arise. Tu dois prendre position. So that you can take position. Et pour bâtir. So that you can rebuild. J'ai dit levons-nous et bâtissons. Let's arise and rebuild. Levons-nous et bâtissons. Arise, let's rebuild. Ce travail te concerne. This work is for you too. Tu es engagé pour la reconstruction du mur. You are called to rebuild here. Chacun doit travailler. Each one of us must work. Chacun est important dans le champ de Dieu. Everyone is important in God's field. Chacun est important dans la tâche. Everybody is important. In the task ahead. Ezra a dit, lève-toi, car cette affaire te concerne. It's the same way Ezra said, arise because this matter concerns you too. La quatrième stratégie. The fourth strategy. La dernière stratégie. The last one. Dis avec moi la quatrième stratégie. Say strategy number four. C'est le travail. Work. Dis à ton ami, tu dois travailler. You must work. Tell your neighbor, you must work. Dis-lui, tu dois travailler. Tell them, you must work. Amen. Y a-t-il des gens qui veulent travailler ici? Anybody want to work? Y a-t-il des gens qui veulent travailler anybody ici? Anybody want to work? Je disais le travail. I say work. Il faut bâtir. You must rebuild. Quand le peuple est réveillé, when the people is up, quand le peuple est engagé, when they are engaged, aussitôt ils doivent commencer à travailler. They start to work. Il y a des gens qui prennent, qui se réveillent pendant des réunions comme ça. There are people who get up in meetings like this. Mais ils se disent eux-mêmes, ils vont travailler dans deux mois. They're like, oh well, in the next 2 months maybe. Ça ne marche pas comme ça. Doesn't work like that. Le temps où tu es réveillé, the time that you are awakened, que tu es conscient, and you're conscious, c'est aussi le temps où tu dois te lever. That's the time you need to start. Alléluia. Amen. C'est aujourd'hui le jour où tu dois te lever. Today is the day you need to arrive. Ce n'est pas demain. So tomorrow. Je dis c'est aujourd'hui. I say today. Tu dois apporter ton apport dans l'œuvre de Dieu. You must stand up and bring your contribution to God's work. Un apport spirituel. A spiritual work. Un apport financier. Your support financially. Un apport matériel. You support materially. Tu dois investir ton temps. You need to invest your time. Tu dois donner le temps. You need to give your time. Pour que les choses avancent. So that things might go forward. Quand les gens se sont réveillés, when people are awake, il y en avait qui avaient abandonné leur maison, leurs affaires. Some had even abandoned their own houses. Pour rebâtir les murailles. For the sake of rebuilding the wall. Il y a des gens dans l'église. There are people in the church. Ils ont des problèmes dans leur famille. They have problems in their homes. Mais ils ne donnent pas le temps pour reconstruire ces choses. But they don't give enough time to rebuild things. Tout le temps ils sont au travail. Every day they're working. Business, business, business. Yeah.
alors que ta maison est en train de mourir. While your house is being destroyed. Laisse le temps. Stop and give time. Dispose le temps. Take some time pour rébâtir to rebuild ce qui était cassé. Whatever has been ce broken. Qui était détruit. What was destroyed. Il faut travailler. You need to work. Tu dois t'investir. You need to invest dans ta vie. In your life. Il y a des gens qui veulent voir les choses arriver dans leur vie. There are people who want to see things happening mais in their lives. Ils ne bâtissent rien. Ils ne donnent pas le temps pour bâtir. They don't give any time to rebuilding. Nothing at all. Ils vont te dire, pasteur, j'ai un grand ministère. Says, pastor, I have a fantastic, great ministry. Dieu m'a donné une vision. God has given me a vision. Dans les stades. I was preaching in a big stadium, MCG. Il connaît même pas les versets bibliques en tête. Doesn't even know any scriptures in his mind. Can't remember. Commence à bâtir ta vie spirituelle. You need to start rebuilding your spiritual life. Commence à connaître la parole de Dieu. You need to know the word of God. Sois ta communion avec Dieu. Be in communion with God. Tu veux aller loin dans les études. You want to go far in your studies. Donne-toi entier. You need to commit et yourself. Étudie, travaille. And you will work. Organise-toi. You know, get organized. Organise ta famille. Organize your family. Organise ton futur. Organize your future. Tu veux te marier mais tu es désordonné. You want to get married but your life is in disorder and disarray. Il y a des gens comme ça, ils sont très désordonnés. There are people like that, their life is just in disarray. Il y a des jeunes filles qui veulent se marier mais qui ne savent même pas cuisiner. You know, you young girls they want to get married but they don't, can't even cook. Tous les jours ils vont manger Hungry Jack, Hungry Jack. Attention avec Hungry Jack. Every day Hungry Jack. You don't cook. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Can I talk to someone? Est-ce que je peux parler aux jeunes filles? Can I talk to young ladies? Ils aiment les fast food. You know, you need fast. You want fast food. La génération micro-ondes. You know, you like generation microwave. Et ça rentre, deux minutes, pouf, c'est prêt. Two minutes, it's ready. Mais au lieu de prendre deux heures pour cuisiner, ils savent pas. Instead of taking 2 hours to cook properly. Je vais me marier. I want to get married. Je dis, il faut que tu bâtisses ta vie. You need to rebuild your life. Amen, 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 amen. Hallelujah. Je disais amen, amen, amen. Amen. Avant de te marier. Before you get married. Assure-toi que tu sais cuisiner. Make sure that you know how to cook. Assure-toi que ta chambre est propre. Make sure that your bedroom is in order. Quand on entre dans ta chambre, when somebody enters in your bedroom, oh my God, oh la la, oh la la, oh goodness, oh goodness. Il y a une bonne odeur. There's some smell, sense. We don't know where that. Les chaussures, les chaussettes, les habits. You know, shoes and socks and things. That's all over the place. C'est la tour de Babel. It's like the Tower of Babel. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? A place of confusion. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Come on. Tu dois bâtir ta santé. You must build your health. Hallelujah. Hallelujah. Même si on prie pour ta guérison. But even if you're praying for your healing. Mais le problème c'est que tu manges mal. But if your eating habits are bad. Tu manges à 6h. You eat at 6 a.m. À 8h. 8 a.m. À 10h. 10 a.m. À midi. 12 a.m. 14h. Then you eat at 2 p.m. 16h. 4 p.m. 18h. 6 p.m. 20h. 8 p.m. À la nuit encore tu manges. At night, you eat. Too much. So much. C'est trop. Rebâtis ta santé. You need to rebuild your health. Discipline-toi. You need discipline. Fais un peu de gym. You need a bit of a gym. Je disais fais un peu de gym. Go to the gym. Après à 50 ans tu es un cowboy fatigué. You know at age 50 you're like a very very tired cowboy. Rebâtis ta santé. You need to rebuild your health. Travaille. You need to work. Il y a pas longtemps j'ai vu un médecin. No, so not long ago I went to see the doctor. Fais-moi un check-up. So can you do me a check-up? Parce que je fais du gym aussi. Because I do a bit of gym. Ah, je gym. I go to the gym. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Oh reboshaka. Yerebabashaka yaba. Et le médecin m'a dit tu as un cœur d'enfant. The doctor told me that your heart is like the heart of a little child. Hallelujah. Hallelujah. I was so happy. Amen. 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 Parce que sans ce corps, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Without this body, you can't do God's work. Tu dois prendre le temps pour te reposer. You need to rest. Il y a des gens qui ne se reposent jamais. There are people who never sleep. Et après, ça amène des maladies. And then it brings about sicknesses. Rebâtis ta santé. You need to rebuild your health. Il y a la part de Dieu, mais il y a aussi ta part. There's God's part and your part. On voit des gens guéris, mais le lendemain après, ils retombent malades. You see people who have been healed after a prayer has been offered, and then tomorrow they get sick again. Parce qu'ils sont pas sérieux. Because they're not very serious with their health. Amen. Amen.
Est-ce que quelqu'un est sérieux ici? Are you here? Est-ce que quelqu'un est sérieux ici? Are you serious? Nous allons vers la fin. Amen. We headed toward the end. Dis à ton ami, tu dois travailler. Tell your neighbor you must work. Dis-le, nous devons travailler. We need to work. Pour rebâtir les murailles. To rebuild the walls. Nous devons rebâtir notre église. We need to rebuild our church. Chacun de nous, each one of us, est un membre de l'église. Is a member of this church. Un membre de la famille. A member of this family. Pour toi. So for you, il n'y a que le pasteur qui doit amener les âmes. It's always the pastor who needs to bring new tu people. Tu es un paresseux spirituel. That's being lazy spiritually. Je peux te parler? Est-ce que je peux te parler? Can I talk to you? Rebuilding the walls. Yes. Rebâtir les murailles. Rebuilding the walls. Si nous voulons que l'église grandisse. If you want the church to grow, chacun doit se sentir concerné. Each one of us must get involved. Chacun doit aller évangéliser. You need to go and evangelize. Va dans les hôpitaux. You need to go in the hospitals. Regarde ta main. Look at your, regarde your ta hand. Main comme ça. Look at your hand. Jésus a dit. Jesus said, voici les miracles. This is the miracle. Qui accompagneront ceux qui auront cru. That will follow those who believe. En mon nom. In my name. Ils imposeront les mains aux malades. They will lay hands on et les malades sick, seront guéris. The sick shall be healed. Je suis venu t'annoncer. I want to tell y a you, la guérison dans tes mains. There is healing au nom in de Jésus. In the name of Jesus. Va délivrer les malades. Go and deliver the va sick. Va les guérir. Go and heal them. Jésus a dit guérissez les malades. Jesus said heal the sick. Il n'a pas dit s'il te plaît guéris. Il dit guérissez. Il t'a déjà donné le pouvoir. He didn't say please if you want. No, he gave you a command. Go and allez, heal them. Prêchez la bonne nouvelle. Go preach the good news. Tu dois gagner les âmes. You need to win souls. Hallelujah. Hallelujah. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Et l'église est trop fainéante dans la paresse. You see, very often the church members are very lazy. Les chrétiens sont là dans la télévision, internet, Facebook, mais ils ne font rien. They're like TV, internet, Facebook, zip zap. Zip zap. Il y a même des pasteurs qui jouent aux jeux vidéo. You know, pastors playing video games. You know? Ah! What's up? Oh non, c'est pour avoir des révélations. No, it's so I can have a revelation. Which la révélation, c'est dans la prière. C'est pas dans les jeux vidéo. In prayer, not in video games. Un pasteur passe 5 heures devant le jeu vidéo. 5 hours pastor before video games. Fais comme ça. Ah! Ah! Dis à ton ami, travaille. Come on, say le ministère que tu as, travaille-le. The ministry you have, work it. Moi, je ne joue pas avec le ministère. I don't play with ah, ministry. Non, je travaille. I work. J'aime travailler. I work. Quand il faut travailler, des fois, je ne dors pas. When it's time to work, I don't sleep. Mais I je work. Travaille. But I work. Parce que tout travail. Because every work. Produit l'abondance. We produce abundance. Parce que tout travail. Because every work. Amène les résultats. Will bring results. Oh, je dis, tu verras les résultats. I say you'll see results. Je dis à quelqu'un bientôt, très bientôt. I say very soon. Tu verras les résultats. You'll have results. Tu verras les résultats de ces 21 jours de jeûne et prière. You'll see the result of these 21 days of fasting and praying. Tu verras les résultats de la conférence. You will see the result of this conference. Mais il faut que tu te lèves. But you need to stand. Et que tu travailles. You need to work. Hallelujah. Hallelujah. Quatre choses pour travailler. Four things you need to work. La première des choses. First one. Tu as besoin de la foi. You need faith. Et la foi. Faith. Vient de la vision que Dieu te donne. Comes from the vision God has given. Et la foi te donne la motivation. And faith gives you motivation. La vision te donne l'énergie spirituelle. So your vision gives you spiritual energy. La synergie de la volonté de Dieu. It gives you the synergy of God's will. Le sens de la mission. You know the sense of mission. Quand tu as le sens de la mission. When you have the sense of mission. Tu vas travailler. You will work. Hallelujah. Hallelujah. Tu auras la foi pour travailler. You'll have faith to work. La deuxième des choses. Second thing. Il faut que la main de Dieu soit sur toi. You need the hand of God upon parce you. Parce que la Bible dit. Because the Bible says. Si l'Éternel ne bâtit une ville. If the Lord doesn't rebuild a house. Ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Those who build it works in vain. Donc tu as besoin de la main de Dieu. You need the hand of God. De la faveur de Dieu. The favor of God. Je me suis venu te dire la main de Dieu est déjà sur toi. I've come to say the hand of God is upon you. Oh, tu n'as pas dit amen. J'ai dit la main de Dieu est déjà sur toi. The hand of God is upon you. Ça va faire avancer les choses. It'll make things go forward. Ça va amener une accélération divine. It makes things accelerate. La troisième de chose. The third thing. Tu as besoin du courage. You need courage. Oh, je dis tu as besoin du courage. I said you need courage. La force d'avancer. You need the strength to move malgré forward. Malgré les oppositions. In spite of opposition. Quelqu'un a dit. Somebody said. Le courage. Courage. C'est avancer. It's going forward. Même en tremblant. Even while you're trembling. You're shaking. You keep going. That's courage. Il y a des gens qui parlent trop mais qui n'avancent pas. There are people who speak too much and ils never, ont peur d'avoir des risques. They're too scared of risks. Si j'avais peur de l'avion, je ne serais pas venu. If I was scared of getting on an airplane, I wouldn't be here. Même si je sais que des fois il y a les attentats. Even when I know that sometimes you might face, you know, a terrorist attack. Mais je tremble.
I am shaking, mais je suis dans l'avion. But I get on the et je viens en Australie. C'est ça le courage. That's courage. Avancer même en tremblant. You got to move forward even je when you shake. Je tremble mais j'avance. While you oh, je vois forward. Une génération qui avance. I can see a generation oh, je vois une génération forward. Qui avance. I see a moving je generation. Je vois une génération qui prend possession. You take possession. Amen. Amen. La quatrième chose. The last fourth dans le travail. In work. Tu as besoin de la persévérance. You need perseverance. L'endurance. You need endurance. Même quand c'est difficile. Even when it's hard. Même quand c'est dur. When it's hard. N'abandonne pas. Don't quit. Ne lâche pas. Don't quit. Ne fuis pas l'église. Don't run. Il y a des gens quand c'est dur, ils viennent plus. The people when things get tough, they stop coming to church. On doit l'appeler, ça va, sœur. They go to the sister, how are you? Oh pasteur. Oh pasteur. Oh, je suis fatigué. I'm so tired. Oh, j'en veux plus. I don't want to come je anymore. I've had enough. Ah, je souffre. Oh, I'm suffering. Je suis venu te dire tu dois persévérer. I've come to tell you you got to persevere. Tu dois aller jusqu'au bout. You need to go all the way to the end. N'abandonne pas. Don't quit. Je veux te dire, enfin jusqu'au bout. I'm saying go to the end. C'est possible. It is possible. Pendant que tu as commencé à prier, as you pray, les murs ont commencé déjà à se lever. So the walls are starting to come up. Encore très bientôt, very soon, ça sera la fin. It'll be the end. Je suis venu te dire la fin est en train d'arriver. I'm saying the end is about to come. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis la fin est en train d'arriver. I say the end is near here. Parce que tout travail a un début et une fin. Because every work has got a beginning and the end. Tout travail a un commencement et une fin. Every work commences and finishes. Mais comme tu as commencé avec Dieu, but because you started with God, tu finiras aussi avec Dieu. You will finish with God. Il est l'alpha, he is the alpha, et il est l'oméga. And the omega. La Bible dit ceci. The Bible says, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, the one who started this good work la in rendra you, parfaite. Will make it perfect. Je suis venu prophétiser dans ta vie. I've come to prophesy. Oh, l'œuvre que Dieu a commencé, the work God has started, a bâti, to build, il rend cela parfait. He will make it perfect. Il va finir cela. He will finish it. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. J'ai dit, tu vas vivre le surnaturel de Dieu. You will live the super. Je dis, tu vas vivre le surnaturel de Dieu. You will experience the supernatural. Les murailles vont se rebâtir. The walls will be rebuilt. Et quand les murailles sont rebâties, and as the walls are being rebuilt, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? You know what happened? Dans Ésaïe 60 verset 18. In Isaiah chapter 60 verse 18. Les murailles sont finies. The walls are finished. Et on a donné des noms à ces murailles. Then they gave name to these walls. Je suis venu te dire le temps des ruines est fini pour toi. I've come to tell you the time of ruin is finished. Le temps de la pauvreté est fini pour the toi. The time of poverty is done. Le temps de la souffrance est fini pour the toi. Time of suffering is finished. Les murs en ruine. The walls that were in ruin porteront le nom du salut. Will have the name of salvation. Je suis venu te dire. I've come to say. Les murs de son célibat s'appellera mariage. See, the walls of your singleness will be called oh, marriage. Tu m'as pas compris. Les murs de ta maladie s'appellera la guérison divine. I'm saying that the walls of your sickness will be called health. Je suis venu te dire les murs de ton échec s'appellera la réussite. I'm telling you that the walls of your failure will be called success. Là où il y avait les démons, tu vas vivre à la délivrance. Where there was demons, you experience deliverance. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. J'ai dit au nom de Jésus. In the name of Jesus. Et les portes. And the walls, the gates. Vont s'appeler gloire. The gates will be called praise. La gloire c'est le poids de Dieu. You know, God, praise is the pride of God, the weight of God. Le poids de Dieu. Yeah, the weight of God. L'éclat de Dieu. It's the shining, the brightness of God. Oui, l'excellence. It's the excellency la of God. La beauté de Dieu. It's the beauty of God. Je suis venu te dire quand Dieu rebâtit. Says when God rebuilds. Quand les murailles sont finies. When the walls are finished. C'est la gloire. It's glory. C'est la gloire qui est rétablie. It's the glory that is Dieu reestablished. Dieu va rétablir la gloire dans ta vie. God will rebuild and reestablish glory dis, in your Dieu life. Dieu va rétablir la gloire dans ta God vie. God will reestablish glory et quand in your la gloire est rétablie. And when the glory is reestablished. Les mêmes ennemis qui se sont moqués de toi. The same enemies that mocked you. Ils vont commencer à avoir peur de toi. They'll start to shake and tremble before et les murailles ont pris fin en 52 jours. You see, the walls were rebuilt in 52 days. C'était un miracle. That was a miracle. Et les gens ne croyaient pas. People couldn't believe it. Mais j'aimerais te dire, I want to tell you, ce que Dieu a commencé, what God has started, he'll finish. Ce que Dieu a commencé, what God has started, il va le finir. He'll finish. Je le dis au nom de Jésus, in ce que Dieu a commencé, Jesus, il va le finir. He will finish it. Il va le finir. He'll finish. 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 Il n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. It's not a God of unfinished business. Quand il commence, when it starts, il termine. He will finish. Et je crois que demain, and tomorrow, nous aurons le temps de terminer. We'll have the time. To finish, et nous aurons le temps de prier. We'll que Dieu pray. Vous bénisse. May God bless dans you. Le nom puissant de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Levons-nous et prions. Levons-nous rapidement dans ta let's présence. Let's stand up and we're going to pray. À cause du temps, levons-nous. Levons-nous même. Raise your hands, tu vas dire à Dieu. Say to God. Seigneur. Lord. Je veux me lever. I want to stand. Et bâtir. And rebuild. Lève ta voix.
Raise your voice now. Speak to God. J'ai parlé de la part de Dieu. I've spoken on the behalf of J'ai God. J'ai communiqué ce que Dieu m'a demandé. I have communicated that which God asked me to communicate. Mais le Dieu de la Bible. Make the God of the Bible. C'est un Dieu qui donne le succès. Is a God who gives success. C'est un Dieu de réussite. Is a God of success. Hallelujah. Commence à prier le Start Seigneur. Start praying now. Est-ce que je peux entendre ta voix? Est-ce que Dieu peut entendre ta voix ce soir? Can I hear your voice tonight? Est-ce que Dieu peut entendre ta voix ce Can soir? Can I hear your voice tonight? Yeshua Lord. Yeshua Lord. Yeshua Lord. Yeshua Lord. Yeshua Lord. Yeshua Lord. Yeshua Merci Père. Merci Père. Thank you Lord. Merci Père. Merci Père. Merci thank parce you, que tu bâtis les murailles we thank you because sur you la vie in the de tes enfants in the life of your children. Et laisse que ta gloire apparaisse and let your glory shine dans le nom précieux in de the name Jésus. Of Jesus. Que toute la gloire te soit rendue. Let the glory be unto you alone. Toi qui étais, you who was, toi qui es, is, et toi qui viens and is to come dans le nom merveilleux de Jésus. In the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Father, we thank you. We give you glory and the honor.